Les notes de l'équipe du soir. À présent, c'est un mauvais match pour Mbappé, donc c'est 2 pour Mbappé ce soir. Très mauvais, c'est 2. Très mauvais, c'est 2. C'est 3, mauvais ou 2, très mauvais. On a dit très mauvais. Mbappé, ouais. Ah très mauvais, très mauvais. 3, mauvais. Ah bah oui, Bernard, hein, voilà. 2 ou 3. Ok. On est à peu près dans les moyennes de nos téléspectateurs. C'est 2,8 la note ce soir de Mbappé. On peut enchaîner avec les notes, mes amis, en régie. Quel joueur voulez-vous qu'on note? Quelle est la note moyenne du joueur? J'ai Donnarumma, à peine mieux que Mbappé. C'est 3. 3, 2, ouais, ok. 3. Ouais. 3, bah, il est à peu près coupable sur les 3 buts, non? Parce que sur le premier, sur le centre de Yamal, il relâche un peu le ballon, non? Sur le premier, je ne suis pas d'accord. Mais non, sur les deux autres, oui. Ok. Bah, sur le premier, ouais, il la relâche. Il la relâche. Non, il veut la sortir. Au bout du gant. Mais je pense qu'elle est touchée par Lewandowski. Qui dit qu'il la relâche? Il est au bout du gant. Il veut la sortir. Après, qu'il n'y aille pas ou qu'il y aille différent, mais il ne la relâche pas du tout. Non. Il la dévie. Après, Lewandowski la retouche en plus. Je pense, ouais. Mais l'anticipation, en plus, je trouve qu'elle n'est pas mauvaise parce qu'il va très, très loin de ses... Au-delà parce de que si Lewandowski ne la touche pas, il la sort. Et oui, donc moi, sur le premier, je suis moins catégorique sur l'erreur. En revanche, évidemment, le troisième, pour moi, il me flingue soir. Alors, la relance au pied, évidemment, mais ça, on savait. Mais pas sortir quand tu fais 2 mètres et que tu es Donnarumma sur un corner chez toi, en plus... à 2 mètres de la ligne. Et que le ballon tombe dans sa main. Même fébrile pendant le match. Tu vois, des ballons qui relâchaient sur une frappe. À un moment donné, j'ai l'impression qu'il la relâche un peu. Un ballon corner, un corner aussi. Oui, t'as l'impression qu'il va l'avoir. Et puis il y en a une qui prend. Elle reste par miracle. C'est ça le match. Nuno Mendes, Giovanni Castaldi, voulait nous parler de Nuno Mendes. Sa note, c'est 5,5. Il a la moyenne. C'est un match soit moyen, soit satisfaisant. Les chroniqueurs, préparez vos notes. On file voir Giovanni Castaldi. Vous lui mettez quelle note? Je mets 6 quand même. Ouais, j'aurais mis 6 moi quand même à Nuno Mendes parce que je trouve que dans les temps forts parisiens, il a été extrêmement présent. Physiquement, il est sur une vraie montée en puissance. C'est un joueur qu'on définit comme être un formidable contre-attaquant. Je l'ai vu faire 2-3 séquences défensives de grande qualité. Il a un sauvetage sur la ligne qui est exceptionnel. C'est une des rares satisfactions ce soir sur du côté du Paris Saint-Germain et c'est encourageant pour la fin de saison parce que c'est quelqu'un qui peut changer le visage de l'équipe. Ça sera intéressant de voir comment ça va s'organiser quand Hakimi sera de retour parce que c'est deux latéraux qui sont très offensifs et la structure de Luis Enrique c'est quand même d'avoir 3 défenseurs centraux et un latéral très libre, donc ça sera intéressant à voir. Bon, enfin, surtout moyen. Qu'il travaille sur le milieu de terrain, Luis Enrique, pour le match retour. Enfin bon, le petit conseil comme ça au passage. Merci Giovanni. Très bonne soirée, très bonne nuit à vous. Allez vous coucher, c'était parfait, c'était comme d'habitude. La note a été dégradée par Joël Micou, c'était parti sur un 6. Finalement, c'est un 5 parce que sur le deuxième but, sur la passe de Pedri sur Rafinha, vous le voyez un peu dans la zone. Rafinha, je trouve ce qu'a dit Giovanni, je suis d'accord. Mais après, sur le deuxième but, je pense qu'il peut couvrir un peu mieux, quoi. Coulisser un peu mieux sur la transversale de Pedri, qui est magnifique, hein. Tout est magnifique dans ce but. Mais après, je trouve sévère parce qu'il est vraiment. Il fait un match vraiment... Pas un match, je suis d'accord. Il est fort, il est bon dans les moments forts du PSG. Non mais je trouve que Giovanni a bien fait de le relever. Sur sa ligne, je trouve qu'il a progressé, il a progressé défensivement et ça c'est super intéressant parce que c'est vrai que c'est un joueur qui défendait mal comme beaucoup de latéraux et je trouve que là-dessus il est devenu rugueux, il commence à progresser. Ouais. Fin de cette équipe du soir sans quiz, je suis désolé. Bah oui. L'émission est trop courte. Bernard me disait, mais pourquoi, Mémé, tu finis pas à 1h30 du matin? Cet avis sera pris en compte dans, je sais pas, quelques semaines, peut-être qu'on terminera à 1h du matin, qu'on pourra faire le quiz avec tonton Bernard.